On se retrouve pour une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. J'ai eu 25 ans et j'ai été énormément gâtée par mes proches. D'ailleurs, je les remercie, je suis tellement heureuse. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager ce que j'ai reçu, parce que ça peut vous donner de très bonnes idées de cadeaux pour Noël, qui approche très vite d'ailleurs. Donc, c'est parti. On va commencer par mes parents. J'ai été très gâtée. Tout d'abord, j'ai eu le nouvel iPad. J'avais besoin d'un iPad pour faire mes montages vidéo. Le voici, je l'ai pris en gris comme ça, sidéral. Je le trouve mais trop beau et puis il est tellement bien. Je me suis aussi acheté le stylet pour aller avec. J'ai pris sur Amazon, pas trop cher. D'ailleurs, regardez, je me suis pris cette petite coque sur le site de Burga. Avec des petits nounours, trop mignon. Donc là j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un iPad, je suis hyper contente. Toujours de la part de mes parents, j'ai eu un livre sur le thème de Noël. Je voulais trop ce livre là, je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Et en fait chaque jour vous devez ouvrir un chapitre jusqu'à Noël. Donc c'est un livre de l'Avent en fait. Hein. Et le livre il s'appelle Un cœur pour Noël, c'est une histoire sur le thème de Noël. Et j'ai tellement hâte d'être en décembre pour le commencer. Ensuite je me suis fait un cadeau à moi-même en fait, tout simplement. Chaque année je me fais un cadeau. Et je me suis pris une paire de baskets que je voulais depuis des mois mais qui était en rupture. C'est une paire de baskets Adidas, c'est les spéciales marron. J'ai galéré à les avoir parce qu'elles sont tout le temps en rupture. J'ai payé 110€ et regardez-moi cette beauté. Je trouve que c'est une très belle paire de baskets pour l'automne-hiver, couleur un petit peu taupe marron en daim. Et elles s'accordent hyper facilement. Du coup voilà, c'était mon petit cadeau que je me suis fait à moi-même et je suis très contente. Ensuite de la part de ma sœur, j'ai été énormément gâtée, vous allez voir. J'ai eu plein de cadeaux. Tout d'abord j'ai eu ce magnifique bouquet de cadeaux. C'est un bouquet de fleurs avec plein de produits make-up, soins et cheveux. Je vais vous montrer les produits qu'elle m'a mis à l'intérieur. Tout d'abord j'ai eu un blush de chez Rare Beauty. Ce sont mes blushs favoris, les blushs en poudre. Et j'ai eu la teinte Hope que je veux depuis un moment. J'en ai aussi un autre, je sais plus quelle teinte. D'ailleurs là j'en porte un. C'est des blushs qui colorent les joues mais qui sont aussi irisés, qui apportent de la lumière au visage. Non mais franchement regardez-moi cette beauté, il est trop beau. Oh là là, je suis trop contente. Ensuite elle m'a offert le bronzer de chez Benefit. C'est mon bronzer favori. C'est le Oula en fait, je l'utilise depuis des années. Et ben là j'en avais plus depuis un moment. Et ça m'embêtait de le racheter, du coup bah je préfère qu'on me l'offre. Et voilà, c'est la teinte caramel. Ensuite j'ai eu un produit soin pour les cheveux de la marque K18. Je voulais depuis longtemps, mais comme aussi il coûte un petit peu cher, je suis contente de l'avoir reçu. C'est un masque capillaire sans rinçage qui va réparer vos cheveux. Et apparemment, d'après TikTok, c'est le masque à avoir. C'est vrai que le soin est tout petit et il coûte vraiment très cher. J'ai eu un lip gloss hydratant. Non mais regardez comment il est magnifique ce gloss. C'est une très belle couleur à porter au quotidien. J'ai vraiment hâte de le tester. Et pour finir, j'ai eu un produit de chez Kiko que j'avais vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un rouge à lèvres noir qui s'adapte à votre lèvre en fait et ça teinte vos lèvres. En fait, vraiment, il est noir. Regardez, quand vous l'appliquez, il fait une couleur quoi. Ensuite, elle m'a offert une petite boîte avec un cœur comme ça, avec des petites choses à l'intérieur. Regardez-moi ça. Elle m'a aussi offert une brume de chez Sol de Janeiro. Franchement, ce sont mes brumes préférées. Et celle-ci, je la voulais tellement. C'est la 59. Et elle sent mais tellement bon. Allez la sentir. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'ai reçu des petites boucles d'oreilles comme ça. Elles sont vraiment très jolies. C'est le type de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup porter. Elle m'a aussi offert un magnifique haut comme ça. Hyper joli, noir avec des petits boutons blancs. Je le porte en haut mais aussi en gilet, il passe super bien. Elle m'a aussi pris sur Shein un petit socle comme ça pour poser le téléphone. Je trouve ça trop rigolo et même en déco c'est trop chou, j'aime trop les petites choses comme ça. Et elle m'a offert une teinture pour les lèvres. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y avait des petits rouges à lèvres comme ça et c'est vrai que j'en voulais un. Donc ça teinte vos lèvres. Et elle m'a offert du chocolat parce que je raffole du chocolat. Et j'aime beaucoup manger du chocolat devant mes séries le soir. Voilà. Alors maintenant on passe au cadeau que ma cousine m'a offert. J'ai aussi été beaucoup gâtée avec ma cousine. Tout d'abord j'ai eu un calendrier de l'Avent. J'ai eu le calendrier de l'Avent de chez Blissim. Chaque année elle m'offre ce calendrier de l'Avent. Et j'aime beaucoup Blissim. Il propose plein de produits de marques différents que j'aime beaucoup. Et du coup là j'ai eu le calendrier de l'Avent. Donc je suis contente. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que chaque jour avant Noël je vais ouvrir une case avec vous, comme ça on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est assez sympa et puis je trouve que le design est juste magnifique. Alors ensuite j'ai eu plein de choses dans ce sac, il est vraiment rempli de cadeaux. Ensuite j'ai eu des petites chaussettes comme ça de mes couleurs préférées. En ce moment j'aime trop le bordeaux, le rose et puis des blanches et des basiques et j'aime tellement les chaussettes chaudes comme ça. Ensuite j'ai eu des petits chaussons roses, c'est ma couleur préférée le rose comme vous pouvez voir, donc trop cool. Elle m'a offert
faire du matcha, du comptoir français du thé. Et moi j'aime énormément le matcha, j'en bois tous les matins, j'ai trop hâte de le goûter. Ensuite elle m'a offert un très joli bracelet de couleur lila, c'est aussi une couleur que j'aime beaucoup. Regardez comment il est trop beau. Alors ça, je trouve que c'est tellement une bonne idée de cadeau. C'est un bol à soupe. Bah je trouve qu'il est trop beau. Un petit bol à soupe avec sa cuillère, avec écrit Hello Winter. Franchement c'est trop chou. Non mais c'est trop mignon, regardez-moi ça. Elle est comme ça. Vous pouvez ouvrir. Vous avez une petite cuillère pour boire votre soupe. Ça c'est une bonne idée de cadeau. Ensuite elle m'a offert une boule de bain. Pareil, j'aime beaucoup faire des bains avec des boules de bain colorées qui sentent bon. Et c'est made in France, donc super. J'ai eu aussi des nounours en guimauve chocolat. J'en raffole aussi. J'ai eu ça pour faire du chocolat chaud. Pareil, en hiver je fais que ça. Et j'ai eu des petits bonbons comme ça. Trop chou. De la part de ma tante, j'ai eu de la marque Jewel Candle une bougie. Regardez. Waouh, elle est trop belle dans les couleurs blanc, rose, tout ce que j'aime. Et elles sont très très bonnes. Pour ceux qui connaissent pas ces bougies là, vous avez un bijou à l'intérieur. Donc vous l'allumez et quand elle descend, bah, y a un bijou coincé dedans. Enfin coincé, il y a un bijou à l'intérieur. Et souvent j'aime pas les utiliser parce qu'elles sentent bon et j'aime trop les couleurs. Enfin ça fait une trop belle déco. Mais j'ai envie de savoir qu'il y a quoi comme bijou à l'intérieur. Ensuite on passe à mes copines, j'ai aussi eu plein de magnifiques cadeaux donc je suis trop contente. Tout d'abord j'ai une copine qui m'a offert un cadeau de la marque Longchamp. J'ai eu le petit sac Longchamp qui est hyper tendance en ce moment sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu. En fait Longchamp ils vendent cette petite trousse comme trousse de toilette entre guillemets. Il y a eu une trend sur TikTok comme quoi des filles achetaient des petites anses. Et après tu peux le mettre comme ça, enfin en sac en fait. Il y a vraiment de la place dedans, genre on dirait pas comme ça parce qu'il est petit. Mais je vous jure que je mets tout dedans, mais vraiment tout. Genre il y a vraiment beaucoup de place dedans, je vais vous mettre une petite vidéo. Donc je suis hyper contente, en plus elle me l'a pris en coloris blanc crème beige. Et j'en avais besoin d'un sac de ce coloris là, donc super. Je vais acheter les petites anses sur AliExpress pour pouvoir le porter sur le côté. Ensuite de la part d'une de mes autres copines, j'ai eu un coffret de la marque Glow Recipe. Je sais pas comment on dit, mais c'est une marque aussi hyper tendance sur les réseaux sociaux qu'on voit passer partout. C'est des produits de skincare avec des packagings magnifiques. Et là, j'ai eu un petit coffret où je vais pouvoir découvrir les produits. Non mais regardez comment c'est trop beau. Donc on a plusieurs produits à l'intérieur. Donc franchement j'ai plein de produits là de la marque que je peux tester. Et puis même à mettre sur la coiffeuse, c'est trop beau. Ensuite j'ai eu une lampe que je voulais depuis je pense ça fait 5 ou 6 mois que je la veux cette lampe. C'est une lampe que j'ai vue dans un restaurant et depuis je la veux. Donc attendez je vous montre. Elle est trop belle. C'est une lampe comme ça en fait que tu peux allumer comme ça. Et je trouve qu'à mettre genre ici le soir quand tu as besoin de lire un livre, que tu veux être tranquille, ça fait une atmosphère hyper tranquille. Et je trouve qu'elle est trop bien et je la voulais tellement depuis longtemps. Elle s'achète sur Amazon au cas où si ça vous intéresse. Ensuite j'ai eu d'autres cadeaux de la part de mes copines. J'ai eu du thé noir aromatisé à la cannelle et ça... j'aime beaucoup pour l'hiver. Et j'ai eu du petit chocolat au lait pour faire mes chocolats chauds. Ça j'aime trop pour le dimanche. J'ai eu un rouge à lèvres de chez Kiko. Il est tellement beau. J'aime beaucoup la teinte pour tous les jours. Il est hyper beau. Et c'est la teinte 403. J'ai eu une bougie. Elle sent hyper bon et elle est toute mignonne. Il y a écrit balance dessus. C'est mon signe astrologique. Et je la trouve très belle en décoration, je la trouve magnifique. J'ai eu des petites boucles d'oreilles hyper belles. Elles sont mais pleines de couleurs, couleurs dorées. Moi j'aime que les bijoux dorés. Je suis trop contente, j'ai eu un petit cadeau Dior comme ça. C'est un vernis à ongles de chez Dior en fait. Et la teinte elle est juste dingue. C'est la couleur Victoire 878. Une très belle teinte pour les ongles. Ensuite j'ai eu d'autres cadeaux hein. J'ai eu des petits chamallows pour mes chocolats chauds. J'ai eu des boules de Noël Mickey. J'adore Disney, j'adore Noël. J'ai eu des petites boules de Noël comme ça. Elles sont mais adorables. J'ai trop hâte de mettre mon sapin. J'ai eu une petite déco d'automne. C'est une pomme comme ça. Et moi j'aime beaucoup les décos d'automne. J'ai eu une tasse pour mes chocolats chauds. Elle est belle en couleur taupe comme ça avec des petits détails dorés. Trop jolie. Et j'ai eu des M&M's. Voilà.
Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que ça vous a donné de bonnes idées de cadeaux parce que franchement je trouve que j'ai eu plein de cadeaux différents et c'est des superbes idées de cadeaux pour Noël d'ailleurs. Et aussi je n'oublie pas de remercier mon entourage pour tous ces cadeaux, j'ai été hyper contente. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma vidéo en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos mode beauté bon plan. Bisous!